Bonjour à tous les amis de la presse, à tout bon internaute qui pégait nous. Bobo, cause d'autres des affaires. Un, c'est les 200 millions de dollars américains qu'ils mettent sur le marché ici à Maurice cette semaine-ci. Et deuxièmement, la déclaration de Pravin Jagnauth hier en ce qui concerne comment permettre du monde dans le pays, une cause de certificat de moralité, etc. Alors, en ce qui concerne premier item, c'est-à-dire les 200 millions de dollars qu'ils mettent sur le marché, moi, je vais commencer premièrement par féliciter le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, pour ce PNQ mardi. Parce que dans sa PNQ-là, la dépréciation de la roupie, il fait beaucoup de choses qui n'est révélées, qui nous pas connaît. Et il montrait la liaison avec tout ce qui arrivait dans le pays, la hausse des prix, et comment du monde peut souffrir, du monde peut pas se miser, pas qu'à soigner des voûtes. Ce qui est évident dans la réponse de Padayarchi au leader de l'opposition mardi, c'est qu'il vient dire, d'une façon nonchalante, qu'il paye en pénurie de devises sur le marché. Je veux dire, vous avez une pénurie de devises, pas d'importateur, quand vous en avez acheté, vous êtes capable d'acheter, d'ailleurs, vous allez dans le supermarché, vous trouvez tout ce qui est bizarre. Pas de problème, tout correct. Un ministre des Finances peut débattre dans l'Assemblée nationale, peut répondre au leader de l'opposition, et il peut dire de façon catégorique, là, pénurie de devises. Et le journal, il reprend ça le lendemain. En moins de 24 heures, moins de 24 heures, la Banque centrale, la Banque de Maurice, tient un communiqué pour lui dire où, comme ça, ce titre Single Largest Intervention by the Bank on the Domestic Foreign Exchange Market. Et dans ce premier paragraphe, il vient dire où la Banque Maurice, qui lui permet 200 millions de dollars, équivalent de 8,6 milliards de roupies, sur le marché. Et la phrase suivante interpelle nous tous, ici, et aussi tout le monde qui peut écouter nous. Moli Ali, this represents the largest ever single intervention the bank has made on the market so far in its history. La veille ministre des Finances, qui parle pas ce budget bientôt, dit où dans l'Assemblée nationale, peine en pénurie de devises sur le marché, le lendemain, la Banque centrale jette 200 millions de dollars sur le marché, et lui dit où comme ça, c'est la plus grande intervention qu'il vient faire dans l'histoire de la Banque centrale à Maurice. La question qui se pose, est-ce que sa ministre des Finances là est capable de continuer, rester en poste après ça là? Dans n'importe quel pays qui se respecte, n'importe quel ministre des Finances qui se respecte, quand il est désavoué dans sa qualité façon là, il obligatoirement besoin de mettre sur les démissions y aller, pas besoin de dire no confidence ou bien faire voter dans le Parlement no confidence et dans des affaires qui sautent clairement. Soit il y a un parfait incompétent ou soit carrément une cause menti dans l'Assemblée nationale parce que le lendemain, c'est ce que la Banque centrale fait. C'est exactement le contraire pour désavouer le ministre des Finances. Et pour cela, encore une fois, nous disons un grand bravo à leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, et ce PNQ, qui le récit fait toute la population mauricienne trouve ça. Mais plus grave que ça, dans l'Assemblée nationale, où est le Premier ministre, qui est assisé? Premier ministre qui est assisé à quelques mètres, pas même quelques mètres, vous avez dit un mètre et demi peut-être. Ce ministre des Finances peut assiser Pédiapé dans pénurie de devises. Et le lendemain, la Banque centrale zette 200 millions de dollars sur le marché parce qu'il est en pénurie. Est-ce que sa première ministre là, pas appelle sa ministre des Finances là, pour lui dire comme ça, hier devant moi, dans l'Assemblée, te dit Pédiapé dans pénurie de devises, aujourd'hui la Banque centrale, tu as communiqué mes 200 millions de dollars le marché. Et tu vas connaître? Mais tu ne mislead pas le monde. Mais tu n'embêtes tout le monde. Qui confiance, si un premier ministre,
qui connaît faire ce travail. Il besoin de pas de ministre finance là qui confiance moi là pour l'histoire passe les procès budget. La situation dans laquelle le pays trouve les aujourd'hui tout ça du monde là mais pas misère avec la hausse des prix et tout ce qui peut arriver. Non. Premier ministre là si tranquille. Il n'est pas dit non rien. Mais toute la population misère réalise des affaires, nous avons des affaires avec un incompétent. Padayati, c'est un parfait incompétent. Un premier ministre qui connaît faire ce travail de premier ministre, l'utilise infini de aller comme ça, get ça, en bon service, rap de tablier, mettre de sabbat de deux, halte la case. Parce qu'il ne peut pas continuer à rester dans mon conseil des ministres, il ne peut pas passer le prochain budget. Parce qu'après ce qu'il te fait là, il ne peut pas connaître même qui va arriver dans le pays. Il ne peut pas même au courant qu'il y a une pénurie de devises dans le pays. Et tu n'as pas même au courant que la Banque centrale peut faire comme mesure qui peut mettre en place. Maintenant, pour revenir sur le 200 millions de dollars, on peut expliquer comment ces affaires-là. Zodine vient coller dans une situation que tout n'est plus codé. Je n'ai plus codé qui peut faire. Je ne décontrôlé. Parce que quand on jette ça 200 millions de dollars, là seulement, c'est. Là où est dans tout le monde qui peut galoper, là c'est de l'or à terre. Du monde qui n'a pas besoin de l'or aussi, c'est de l'or. Vous connaissez qui fait? Parce que la Banque centrale, elle nous a dit 42,95. 42,95. Du monde qui a acheté 43, 43, 10. Et du monde là connaît qui, dans un mois, des mois, il peut faire casse l'eau là. C'est une situation de holding. C'est une situation que tu as acheté du monde qui n'a pas besoin de l'or aussi pour l'acheter de l'or. Et pour éponge ça, 200 millions de dollars que la Banque centrale ils étaient là parce qu'ils ont pu faire une roupie, voire même plus qu'une roupie sur le dollar et ils ont fait un profit dessus. En plus, l'autre point, c'est que vous connaissez qu'un importateur peut acheter sur un produit et sur un fournisseur de haut, allons dire, il peut coûter 100 000 dollars, mais il a la VAT dessus. TVA, 15%. S'il dit 100 000 dollars, il peut coûter 15 000 dollars. 15 000 dollars, allons dire, roupie tilo. 45 roupies, à ce temps-là, il y a 43 roupies, après qu'il y ait une zette sa quantité de l'or là sur le marché, il descend pas des roupies. Comment il descend pas des roupies? Vous connaissez qu'arriver, c'est le gouvernement, si vous n'êtes pas très venu, qui va diminuer de l'autre côté, jusqu'à ce jeune-là. Il n'est pas capable d'assister dans le VAT return après, mais là, pour le budget en juin, VAT revenu, parce qu'il revient du gouvernement, il y a un cas sur VAT, mais tout le monde importateur qui peut acheter dans des roupies à peu près. 1 roupie 50 à 2 roupies qui peut perdre le sac de l'or, c'est-à-dire revenu l'État diminué dans le prochain budget. À cause de ça même, la Padayati pas connaît qui vous fait acheter. Et Modiaou, c'est la raison qui fait autour de l'or remonter avant ça. Mon café disait où acheter la même. De pour réapprécier. Et l'autre raison qui fait de l'or là pour réapprécier, c'est parce qu'il n'a pas oublié le fameux Special Reserve Fund de la Banque Centrale. À chaque fois qu'il roupie peut déprécier envers de l'or, pardon, ZP prend la différence, l'appréciation de l'or, je vais mettre ça dans un Special Reserve Fund. Que si de l'or, tu as 40 roupies, à 45 roupies, ça, 5 roupies en plus là, dans Special Reserve Fund. Et pas oublier, ça même Special Reserve Fund, côté dans ce qu'ils nous appellent Notional Money, qui la Banque Centrale, il y a casse pour d'autres gouvernements. Là-dedans, même il y a 60 milliards pour le passe budget dernière fois. Pas derrière, tu dis au budget balancé. Pour 60 millions dans la Banque Centrale. 32 millions, une write-off dans Special Reserve Fund. 18 millions, tu prends en janvier 2020, avant Covid. Je dis, quand on trouve de l'or maintenant, les dépressions vers roupies avec sa quantité cassou, nous étions là, quantité de 200 millions de dollars, nous étions là, mort, c'est là. C'est le contraire qui est arrivé là, temporairement. Où la Banque Centrale a gagné trop dans ce Special Reserve Fund. Et à cause de ça, je dire, de l'or pourrait apprécier en pleine forme. Parce que sinon, la Banque Centrale a un gros problème. En anglais, on appelle ça your coat between a rock and a hard place. En français, on bloqué entre les marteaux et le clim. En créole, côté gauche, on baiser, côté droit, toucher, on baiser. Voilà que le pays était, voilà que la Banque Centrale était. Et il y a encore des affaires qui sont bien graves là-dedans. Je dis où l'autre point, c'est qu'ici, de l'or déprécié par 2%, réserve, roulement, ou il y a plusieurs réserves dans la Banque Centrale, réserve, roulement la Banque Centrale, qui 6 milliards, les wipe out. Parce qu'il y a une quantité de l'or qui nous fait causer, 2% de dépréciation sur le dollar maintenant, les wipe out sa réserve de 6 milliards de la Banque Centrale.
Ce cher capital, 10 milliards, c'est la raison qui fait FMIT, qui dit recapitalise la Banque centrale. Si vous gagnez 5% de dépréciation sur le dollar, ben, il wipe out les 16 milliards, c'est-à-dire les 10 milliards du cher capital et les 6 milliards réserve roulement la Banque centrale. La Banque centrale banqueroute. Connaît qualité grave nous était, dans qui qualité situation grave nous était. Et vous pouvez gagner sa qualité ministre finance là, si c'est que sa qualité menti là. Soit il y a une incompétence, soit il y a une menteur, il n'y a pas à sortir de là. En disant que pédapé des riz devise dans l'homme, et le lendemain désavoué dans la façon qui ça est arrivé. Personne ne peut prendre cette responsabilité. Pas d'Ayati, bizin, allez. Et si Pravin Jagnat, premier ministre qui roule un pays, n'a pas gagné droit moralement, ou bien même sur la base de la compétence, laisse un petit peu pas d'Ayati. Elle passe sa budget qui peut venir là, dans le contexte que le pays était ici et que tout le monde peut passer misère, et aussi le contexte international qui, bien sûr, peut causer encore problème. Parce que là, nous avons besoin d'un monde qui passe un budget pour capable de même tenir l'économie. Pas d'ailleurs, ce n'est pas ça du monde. Nous devons y trouver. Dernièrement, nous avons dit sa déclaration de Pravin Jagnat là hier, c'est choquant. C'est choquant, c'est même révoltant. Qui vous trouve un premier ministre qui menace la population mauricienne, puis menace du monde, puis menace citoyens, pour dire comme ça, ah oui, si vous causez, si vous faites telles affaires, ben la police pour ramasser, pour aller, ou pour passer ou passe une nuit en cellule. Et il y a le même jusqu'à dire où comme ça, qu'est-ce que ce monde-là, mais ça connaît qui peut arriver sur le certificat de moralité. Mais laisse-moi dire une affaire. Certificat de moralité, c'est pas que la police arrête tout ça. Nous tout connaissons ça. Et dans le bureau du directeur des poursuites publiques qui décide si ce n'est pas une affaire pour poursuivre, prendre en cours ou pas. Et en plus, la cour, si qu'est-ce qu'il y a jusqu'à là-bas, et dans le magistrat qui peut écouter l'affaire pour décider si pas du monde là il fait sa offense là ou pas, et s'il pourra le condamner ou pas. Et là aussi, du monde là il a droit de faire l'appel. Et ce n'est que à la fin de ce processus-là, qui s'est dit qu'il condamné, il appelle il maintenir, il est là, qui dit qu'il n'a pas capable de gagner un problème en termes de certificat de moralité. Mais le Premier ministre n'a aucun droit de menacer la population mauricienne pour dire qu'il peut arriver au certificat de moralité, parce qu'il n'est pas capable de substituer lui pour DPP, il n'est pas capable de substituer lui pour une cour de justice, ou qu'un Premier ministre pays, mais dans la Constitution, et dans le droit fondamental, droit à la vie, droit à la liberté, le droit de s'exprimer. Alors, quand Pravin Jagnat, Premier ministre, il a un droit de menacer les citoyens mauriciens de sa façon-là, ou capable, ou ne prend place ou papa pour rouler le pays, ou capable, quoi qu'il y ait les rois, comme on dit, nous les rois de Maurice. Mais laisse-moi dire une affaire, et dans la cour, et dans la justice, et dans la constitution, et dans le monde qui peut défendre ce pays-là. Et en plus, ici, au niveau de l'espoir, nous disons Pravin Jagnat, fais bien attention. Ou qu'on prend place ou papa, mais pays pas pour ou papa, ni pour vous. L'île Maurice est une démocratie. Et l'île Maurice est une démocratie. Et quand Pravin Jagnat allait, l'île Maurice faire face à tout ce qu'il fait là. Parce que c'est un abus extraordinaire maintenant à la démocratie. Merci.